en relation avec cette auteure,
Thank you.
d'abord que la croyance ne peut pas être imposée dans une société, mais d'avoir des limites. Thank you.
bien. Ce n'est plus une question de tolérer, mais une question de sauver la justice. Voilà. Je crois que la situation dans laquelle nous sommes exposés est extrêmement difficile. Non, mais il y a une question de temps, encore, Thank you.
puisque ça a beaucoup commencé à baisser, mais bon, effectivement, c'est un petit retour sur comment on vise le mouvement, la culture ou autre, etc. Déjà, on peut se poser la question du lien de culture. Je ne sais pas si c'est une culture, le roi, le canton, etc. Donc, comment on traduit cette culture ou autre, on verra quoi. Effectivement, la question de la traduction, la traduction du verbe canton qui a été annulé, ça peut être étalé, ça peut être. En tout cas, quand on pratique la canton en jeu, on cherche à faire oublier quelqu'un, on cherche à effacer une personne qu'on a vu en culture de l'occupation. Exactement. Par exemple, bon, je suis bien fait, c'est un phénomène. Beaucoup d'enfants ont fait un phénomène qui est vraiment un phénomène de la modernité dans le sens où les réseaux sociaux donnent à cette culture qui est en canton. Moi, je suis arrivé en français. Mais les réseaux sociaux qui
en fait, pendant très longtemps, on considère aujourd'hui que pendant très longtemps, elles ont été écartées, justement, de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, évidemment, écrite par les acteurs, a longtemps été écrite en occultant totalement le rôle des artistes américains, le rôle des américains dans la construction. Je m'entends sur les Américains, effectivement, je suis à la famille, je ne vais pas y partir en ce moment. En occultant totalement le rôle qu'ont joué les Américains, les Américains et les autres minorités. Et c'est là que le problème est complet. C'est parce qu'effectivement, on ne peut pas leur donner de la compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les intellectuels américains ou américains réécrivent l'histoire en question, réécrivent l'histoire, parfois, peut-être avec des pratiques explicitives qui ressemblent à la question de aux excès de la question de en fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est corriger l'histoire, la commenter, la voir autrement, expliquer un autre point de vue. En effet, ce qu'on peut penser, c'est tout à fait légitime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on pouvait enseigner dans les universités, y compris les États-Unis, l'histoire de la Constitution états-unienne, soit l'histoire de la conquête de l'Ouest. C'est un peu complexe, par exemple, qui peut être problématique. En le décrivant des Américains, comme des obstacles à surmonter, et en construisant un train d'escalade. Ça, évidemment, c'était problématique, puisque quand on se penche un petit peu sur le sujet, un petit peu plus sérieusement, et bien, on peut imaginer raconter l'histoire du 18e siècle américain dans l'écrit raconter le rôle primordial, central, par définition, qu'ont joué les Américains. La part de construction nationale qu'ont joué les États-Unis. Oui, vous avez parlé par exemple de la rente de l'histoire, vous avez dit que les cow-boys noirs, on dit que les cow-boys, qui ont raconté la légende de la conquête de l'Ouest, on pensait souvent les descendants d'esclaves. Alors, en français, on s'imagine. On ne sait pas comment c'est un cow-boy. Un cow-boy, c'est un garçon de vacherie. C'est quelqu'un qui s'occupe des troupeaux de vaches. Donc, c'est pas le cow-boy, je n'ai jamais vu dans le métier de cow-boy, en fait, par exemple. Si j'exagère, parce qu'il y a un grand prix de tout ce que j'ai de ça, justement, c'est. Voilà, c'est le titre de chat, c'est comme ça. Alors, c'est pas un bon. Que le cow-boy dans la salle devant le Wester, qui raconte la conduite d'un troupeau, d'un troupeau immense. Voilà, ça va être un grand jeu aussi. Voilà. C'est pas celui-là, mais il est un Ça va mieux en 10 ans.
également pour dire qu'on ne l'a pas dit beaucoup et qu'on ne l'a pas dit du tout. Et que du coup, les historiennes sont vraiment pas seulement des historiennes, mais aussi des historiens. C'est quoi? Je commence par une question qui est en fait traduit un petit peu le rôle qu'on fait avec les femmes dans la société de l'Est. Donc, c'est pour les Américains. On peut discuter du coup, on peut découvrir du gros, on peut mettre au niveau. On ne sait pas, par exemple, que dans la bande de Géronimo, de guerriers qui ont résisté pendant plusieurs années, par les derniers résistants américains, à l'intrusion de colons européens, et qu'il y avait deux femmes qui sont pourtant photographiées, qui sont dans les archives, et que les historiens n'ont que très avant. Et je suis assez récemment le des événements qui ont été en tout cas ressentis comme un peu excédent en termes de thèmes de recherche. Je prends deux exemples là aussi que je connais mieux parce que ça fait chez les gardiens. Il y a eu le développement, je prends tout à la destruction de statues de Christophe Colomb. Une pièce de style en 2019
sous prétexte que George Peter et le camp voyaient Blackface dans le fait que les femmes grecques venaient de l'univers, et beaucoup de femmes grecques étaient éliminées, donc leur visage est contrôlé par le soleil. Donc, Peter va dire à un maquillage qui n'était pas noir, mais qui était et des masques d'oreilles, parce que le vidéo qu'on avec des masques, on entend bien du coup par l'oreille. Bon, il veut me représenter le soutien de on lui fait une scène par un cimetière, un groupe d'activistes empêche tout simplement que les acteurs puissent jouer en mars 2019. Parce que le fait d'avoir mis un maquillage aujourd'hui leur rappelle ce qui se passe aux États-Unis avec la Blackface, puisque aux États-Unis, au début du siècle, les blancs brillaient en noir, se moquaient des noirs sur des scènes de scénographie. Enfin, on a jamais fait ça en France. Et l'intention de Philippe Auger, qui s'appelle Virgile, n'a rien à voir avec l'histoire américaine. Donc, qu'est-ce que c'est que cette susceptibilité inventée, le fait que ça ait été en parce qu'on s'est de nous, alors qu'on parle de toutes les choses. Bon, cette archi-susceptibilité, elle est utilisée par ce qui vient de la blessure dont vous parlez, ou ce qui vient de la capacité pure. Ce qui fait qu'il y a un désarmement intellectuel durant une idéologie agressive, parce que je vous dis que dans les années, les budgets de passé, les années 80, on lançait le départ de l'histoire des États-Unis, en rapport à l'esclavage, etc. Et actuellement, dans les séminaires de queer studies, puisqu'ils ont des queer studies aux États-Unis, on enseigne que John Rock, John Black, est un homme trans. C'est dans ce sens que le mensonge. Et le problème, c'est que cette idéologie agressive pousse à la limite l'idée que nous partageons tous, je vous espère, notre racisme, l'égalité entre les hommes et les femmes, le fait de ménager une place à tous ceux qui ont diffusé une histoire de genre ou qui souffrent de la clarité quelconque. Donc, à partir de là, on a le racialisme, le fait que tous les blancs vont être agités des blancs et qu'ils vont faire des gâteries, bien sûr. On a une abolition de la différence des sexes, parce qu'on n'a plus le droit de dire que le sexe compte, sexe matter. Le validisme, c'est-à-dire que tous les agenteurs, tous les agenteurs ont les phrases, les malheureux, les affirment. Tout le monde, nous, un point de vérité, bien sûr qu'il faut faire le plus grand place aussi aux gens qui ont une paralysie, qui sont aveugles, que sais-je. Alors, il y a un nécessaire des autorités, et même une prescription des nouveaux codes. On sait par exemple qu'on peut aller aux États-Unis, les autorités administratives universitaires imposent de se servir des pronoms que demandent les étudiants. Après, quand vous avez, par exemple, un homme marqué, deux fois avec un modèle, on comprend que le professeur réfléchit. Eh bien non, c'est mieux genré. Et mieux genré, c'est la crise parce que ça a la sensibilité. Bon, avec ça, c'est pour bien là sa force de loi, parce que c'est la plus de Jordan Peterson qui a refusé de se servir des nouveaux pronoms. Parce que c'était imposé par l'État, mais si vous avez pour vous, vous êtes en prison, l'État n'a pas à me faire parler comme contre consentement. J'ai un consentement de quelqu'un, je parle spontanément avec le sentiment que j'ai. Qui a été persécuté par son université au point de vue de mais il a gagné une réputation mondiale à partir de. Alors,
Je suis
qui achète du vin de livre qui s'appelle Pita Bottle. Et voilà, si vous te comprenez pour sécurité, pour la Pita Bottle qui est publiée, il y a quelque chose qui va pas. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Il est lié à ce thème de la sécurité qui est de les traditions dans les universités. Personne ne m'admettra. Je suis à l'ombre du coup que personne ne me dira quelque chose de sexiste ou de raciste ou de quoi. Et lui, il était mettant le sexe au monde entier. Franchement, ce nouveau monde, pour moi, c'est évident. Quand on est monté, on se dit que c'est vraiment grotesque. Bon, c'est des études universitaires, les universitaires ont toujours été un peu bavards, et puis, tout ça, il y a toujours eu des jeunesses fanatisées. C'est une erreur, parce que ces gens qui étaient dans la question de la guerre, ils sont sortis de l'université, ils ont pris des postes, et ces postes, par exemple, ils font des programmes, il y a une pause et tout. Il y a des gens qui ont commencé un peu dans leur tête, et qui ont été pris dans la guerre, et qui ont été saisis dans cette jeunesse, ils ont pas réfléchi. Aux États-Unis, pas du tout. Quand je regarde dans la tête, c'est vraiment, ça doit être aux États-Unis que le taux d'agir. C'est très important de prendre aussi en compte
le point de vue de ceux qui vous disent « Attention, là, la façon dont vous vous regardez, ça pose problème. » Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer ce qu'on dit, qu'il ne faut pas dialoguer. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est qu'il faut dialoguer avec ces différents points de vue. Moi, je trouve, par exemple, que lorsqu'on me dit que l'écriture inclusive s'avance, quand il n'y a pas beaucoup de mal à ce que ça gêne, et ça fait beaucoup de bien à ceux qui l'apprécient. Et je me dis, ok, moi, dans le design de l'ensemble des sciences de la diversité, je suis utilisé l'écriture inclusive. Normalement, c'est une diversité. Je sais que c'est la critique. Dans mon université, les étudiants et les étudiantes, qui sont inclusifs, ont le droit de choisir leur prénom. Et je suis très très fier de ça, d'autant plus que ce n'est pas moi qui l'ai mis en place. Alors j'en parle avec tant, en toute authenticité, mais c'est quelque chose de très très important, parce que moi ça ne me gêne pas. L'étudiant demande la démarche officielle de changer de prénom, ça ne gêne pas. Et lui, ou plutôt elle, eh bien, ça lui fait beaucoup de bien. Après, à l'université de Montaigne ou à l'université en général, souvent, nous avons des toilettes dégenrées, c'est surtout que nous n'avons pas assez d'argent pour avoir les toilettes correctes. Et après les toilettes, petit message. En collectivité, qui ont privé que les toilettes. Donc, on va faire des toilettes genrées. On va faire des toilettes genrées ou pas. Donc, c'est un sujet qui est très complexe, évidemment, qui déchète les passions. C'est pour ça que le regard, un regard un petit peu distant sur ces choses-là, pardon, mais un regard, excusez-moi, un petit peu. Des chercheurs, de quelqu'un qui, a priori, n'a pas de parti à prendre, et observe et essaie de comprendre, c'est absolument essentiel, parce que sinon, si on laisse les réseaux sociaux et les chaînes d'info à continuer, sans parler de ces débats-là, alors évidemment, c'est toujours très très simplifié, et on comprend les choses à Thank you.
disparaissait de l'ordre du donné sont à exprimer parce que le monde est vu comme un monde de conflits incessants où les gestes égaux, les dominants écrasent et dominés, le pouvoir s'arrête et se promène, reste et en dehors de l'avancement de bras armés de la répression. Donc, ce monde terrifiant a donc été assez éloigné de la réalité. Que les justiciers ont inventé, ce monde qui a largement divorcé de la réalité, au reste, vient de renoncer aux règles d'une culture civilisée. Je pense que dans toute société, on est avec des choses à dire, il y a des choses qui sont idiotiques, qui sont scandaleuses, et ces choses devraient pouvoir en discuter de manière civile et non pas par les impôts de statut d'écologie ou de. Donc, si la culture de l'occupation est en fait le problème, c'est pas tant à cause de ce qu'elle dit que peut-être à cause du refus de la discussion. C'est-à-dire que les deux ans, peut-être, de ces nouvelles orthodoxies, de ces mouvements, de ces propos, de ces conceptions, en fait, finissent par pouvoir introduire de nouvelles doctrines en continuant de discuter. Donc, en refusant le principe du débat qui est à la racine, et la raison d'être de la démocratie, ça a sa valeur et son valeur. Mais encore une fois, si on parle des sectes que vous citez, je suis tout à fait d'accord avec vous, et le sexe parce que ces sectes, justement, refusent ce dialogue. Mais je crois en revanche que ces sectes-là sont assez marginaux. Évidemment,
il y a des pas de contrôle de décision, ou en tout cas, là où on a visé quand même à se barrer un petit peu, c'est bien mon sentiment, c'est que si on continue, si on commence à définir les gens, etc., ces décisions-là, pour moi, c'est ancré dans une certaine réalité. Vous parlez de réalité, c'est difficile. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Les Africains américains, les Américains, eux, ils proposent une réalité qui n'est pas moins fausse que la réalité dont on parle. La réalité, c'est celle qui doit nous permettre de vivre ensemble par le dialogue, l'échange et la compréhension mutuelle. Chose à plus loin. Des choses que je peux apprécier lorsque vous dites que cela vous répudie, vous dites que tous les enfants sont avec le masque, et effectivement, la France est une erreur, il y a la notion de masque, vous savez qu'on n'a pas le droit de faire des entrées techniques en France, notamment dans vos États-Unis, au contraire, vous en faites. C'est-à-dire des quotas de gens qui sont déjà défavorisés, peuvent bénéficier de ces quotas. Donc, quand vous dites cet appartement, Thank you.
sur le placage de la question oui. Sur la question sur le français. Je ne sais pas si j'ai confiance ou pas, mais en tout cas, effectivement, moi j'observe que une certaine évolution a été vite d'un discours en France qui reprend des travers, en tout cas ce que j'estime moi être des travers, d'un discours politique américain. Et ça, c'est effectivement un point qui est important. Est-ce que c'est conscient? Je pense que oui, quand même, c'est une démocratie qui voit sa fonctionnalité aux États-Unis, d'accord, on voit sa fonctionnalité chez nous. Dans la population générale, c'est peut-être aussi les réseaux sociaux, puisque les réseaux sont pas dans la frontière, évidemment, la culture populaire. Voilà. Et en tout cas, oui, il y a un certain nombre d'implantations de ce type. Il y a des implantations de réflexion, ça, parce que je vois aussi sur la French Theory, qui aurait l'activité de l'université américaine, et qui nous revient maintenant. Oui, il y a des implantations de réflexion, et ce n'est pas toujours la meilleure chose qu'on apporte. Je me souviens de la cette de la France, Donc, bien sûr, il y a la transition du cerveau, il y a la difficulté. Il faut devenir difficile de
très adapté dans ce qui est aussi puisque si nous résistons, je ne sais pas si on a bien à résister à l'idée qu'une femme trans est exactement une femme, si nous résistons à cela, c'est parce que les choses sont allées tellement loin en Grande-Bretagne que je pense qu'il faut faire tout de suite. Par exemple, la LHS sort une publicité qui dit qu'il faut que les femmes se fassent examiner pour le cancer de l'utérus. Les femmes doivent se faire examiner. Je vais vous expliquer. Toutes les fois, sont pas à l'utérus. Ça va être compliqué, mais il n'y a pas de problème. Parce que maintenant, les dénominations changent. Et aux États-Unis, on me dit qu'une femme, c'est pour ça que j'ai Caroline dans le rôle de cette équipe, on dit menstruator. Personne qui a des menstrues. On dit people who bleed. C'est personne qui saigne. Mais on parle. Écoutez. Tout le monde aux États-Unis n'appelle pas les femmes ainsi. Vous parlez d'excès encore. Pas d'exception. C'est pas de partir les gens en pensant que aux États-Unis on parle plus de ça, mais de conspiratoire. Je sais, là, les journées des lettres de personnes ont été échouées. Il y a aux États-Unis, c'est une différence. La différence entre les États-Unis et les États-Unis, ce n'est pas une différence très grave. C'est que vous avez une politisation de la question sur le front républicain démocrate. Donc tous les républicains proches plus de ce langage et tous les démocrates pensent à leur point. Au Canada, où vous n'avez pas de contre-point républicain, là, les termes que je viens de citer sont tout à fait habituels. On va revenir à la question de la question.